Pour les fêtes de Pâques, à certaines se déroule ce qu'on appelle le catenaccio, c'est-à-dire c'est le chemin de croix fait par Jésus à Jérusalem, donc portant sa croix et à genoux. Les pieds rouges de sang, il avance à pas lents, le sur les pierres, il marche son calvaire, le porte-croix. La tête sous la cagoule, pour que ceux de la foule ne sachent pas qui est cet inconnu qui devant eux pieds nus porte la croix. Lui qui faisait violence, fait sa pénitence en silence, les yeux pleins de rougeur, brûlés par la sueur et la chaleur. Laissez passer ce porte-croix, laissez passer le pénitent et ses péchés. Laissez passer, passer celui qui porte la lourde croix, laissez passer, car lui seul sera pardonné. Les pieds rouges de sang, il avance à pas lents le porte-croix, mais soudain dans la foule, à travers sa cagoule, le porte-croix a reconnu sa mère, venue faire la prière, et ne sait pas que c'est son fils à elle, qu'aujourd'hui on appelle le porte-croix. Était-ce de l'intuition, pour que veille sans raison, elle soit là, on dirait qu'elle sent. C'est un peu son sang qu'elle aperçoit. Laissez passer ce porte-croix, laissez passer le pénitent et ses péchés, laissez passer celui qui porte la lourde croix. Laissez passer, car lui seul sera.